Salut à tous, c'est bienvenue sur MagicArenaFR, comment ça va fou? Ça va très bien, toi? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une C'est une superbe blague, en fait, vidéo. c'est Valet PL! Incroyable! J'adore, j'adore, j'adore. Vous avez aimé le coup des masques dans la vidéo de lundi. Bien sûr! On se devait de faire l'intro avec les masques Évidemment! pour Oh, ça m'a coûté de aujourd'hui. me déguiser! Ça coûtait cher, hein. Mais t'as changé de masque. J'ai changé de T'avais masque. masque à antenne la dernière fois. Là, t'as masque intégral. Death Mask. C'est pas du tout le même. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Plein de cartes de plein de couleurs, 5 couleurs, invasion d'Alara, incroyable. Est-ce qu'on peut jouer ça en standard? Non. Non, parce qu'on perd contre tous les decks bleus du format. On ne peut pas Oui. gagner. Par contre, Mais on pète la gueule aux tous autres. les Z-decks, mono rouge compris, hein, tous les autres decks, on les défonce. Ok. On les défonce. Ah, c'est un plan marrant. Alors attention, deck 5 couleurs, vous savez, hein, ça peut prouter tout seul. Que des taplandes, enfin beaucoup de taplandes, pas les bonnes couleurs, une sortie un peu médiocre et tout. Mais le deck est quand même assez redondant pour faire ce qu'on veut de lui. Et même si on n'a pas invasion d'Alara, faire quand même des choses. Bon, on a quand même plein de pâtés, plein de bonnes gestions et tout. Donc ça passe. Mais mise en garde, voilà, si vous affrontez du bleu et qu'il y a des contre-sorts, hein, Ouais. c'est poubelle. C'est poubelle, c'est très très dur de gagner, même si vous gagnez le toss. Donc attention. Par contre, ça vient quand même d'un challenge MTGO. Ouais. Et à Challenge MTGO, le niveau est un petit peu élevé quand même. Quand même. Et ça a fait quoi? Bah, ça a gagné. Ça a Ça a gagné. gagné le challenge et ça fait plaisir. Qu'est-ce qui fait plaisir? Le pouce bleu, d'anticipation, confiance. Le petit abonnement, si vous n'êtes pas abonné, évidemment. Allez aussi faire un tour du côté de notre autre chaîne YouTube, bientôt nos autres chaînes YouTube. Oh, je spoil. Évidemment, je spoil. Voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a également? On a les sponsors. Merci beaucoup à Playing by Magic Bazaar. Code VALETPL 2023 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient. Merci à tous. Et toujours le lien UG dans la description. Merci beaucoup à eux d'avoir mis Merci ça à en tous ceux qui nous place. Si soutiennent. vous achetez des produits en passant par le lien UG dans la description, ça nous soutient directement financièrement. Donc, merci Trop bien. à vous. En ce moment, depuis début septembre, quasiment une vente par jour. Donc à chaque fois que quelqu'un regarde une de nos vidéos et qu'on Ça parle clique. d'Ultimate Guard, il y a quelqu'un qui est intéressé et qui passe un petit achat. Merci beaucoup, ça nous soutient. Ça fait partie des moyens de financement qu'on n'avait jamais eu avant, c'est-à-dire un lien d'intéressement sur un produit qu'on adore, avec une marque avec qui on adore collaborer et qui, entre guillemets, bah, vous permet d'avoir des bons produits. Et en plus, ça nous soutient. C'est un cercle Tout vertueux bénef. de zinzin. Donc on est super content de ça. Et merci à tous ceux qui passent par Ultimate Guard pour acheter leurs produits. De toute façon, c'est les boss, donc c'est très facile de les mettre en avant. Ce deck-là, pourquoi est-ce qu'on a une pile de cartes qui coûte 1 milliard? Parce qu'en fait, théoriquement, on a beaucoup de cartes qu'on va jouer moins cher. Je te laisse toutes les montrer. Voilà, fait recréer la curve en fait du deck, ce qui peut être intéressant. Hop, Voilà, tout simplement. hop, Et en voilà, fait, ça c'est la permet récup. d'avoir virtuellement beaucoup de cartes d'early game, mais qui vont avoir un CCM très élevé pour qu'on puisse cascader dedans avec Invasion d'Alara. C'est ça un petit peu le plan de jeu. C'est-à-dire que quand vous allez jouer l'invasion d'Alara, eh bien en fait, vous allez trouver mécaniquement toujours la même carte. Qui est familier de Ronce et droit à la gorge, mais C'est comme ça on ça. trouve deux, on joue qu'un droit à la gorge. Comme ça, si on trouve droit à la gorge, on trouve quand même un familier. C'est ça. Et le droit à la gorge, on le met dans la main et ça viendra, par exemple, être une interaction intéressante. Non, tu prends pas dans la main, tu joues une des deux. Tu joues une des deux et l'autre tu la mets dans ta main. Ah oui, si, pardon, tu mets dans la main, Donc du coup c'est pour ça exactement. qu'il y a un petit droit à la gorge Oui, qui est ouais. stylé quoi. Et du coup, quand on casse le familier de Ronce, eh ben, on n'a pas une 2-2 qui fait un mana vert. En fait, on peut casser l'aventure. C'est Et ça. ça fait plaisir. Donc, cette mana, on va meuler cette carte, mettre sur champ de bataille une créature, un enchantement ou un terrain parmi les cartes meulées. Et généralement, sur cette carte, on a du gras. Ben, on a ça comme enchantement. Ça comme enchantement, pardon. Sinon, on a les profanateurs, Etali, Atraxa ou Avaleur de chair putride. Avaleur de chair phyrexian, pardon, il n'est pas putride. Il pourrait. Désolé, je m'excuse, Avaleur de chair, tu n'es pas putride. Lucarne, on ne peut pas le mettre en jeu par contre, ni l'invasion d'Alara. Et quelle est la meilleure carte à trouver? Eh bien, étonnamment, c'est le profanateur. Ouais. Pourquoi c'est le profanateur? Parce qu'il a deux effets. Un effet de faire moins X à une bête, ou un effet de retirer X marqueur d'un permanent ciblé. Et il faut pour ça exiler une carte d'un des cimetières. Et en fait, on va exiler une carte qui coûte 7, donc la valeur de chair, Atraxa, Etali, Migration, Vertu, plein, pour enlever pile 7 marqueurs de l'invasion d'Alara. Et quand on enlève 7 marqueurs, on peut caster l'éveil du Maelstrom, éveiller le Maelstrom, pardon. Donc on va piocher deux cartes, on va casser un permanent à l'adversaire, on va mettre en jeu une carte d'artefact de notre main potentiellement. Bon, bah c'est à valeur ou rien, mais si on n'en a pas, c'est pas grave. Notez d'ailleurs que vous piochez avant de mettre en jeu. Donc vous pouvez piocher la valeur si vous ne l'avez pas en main, ça c'est cool. On va créer une copie d'un permanent qu'on contrôle qui sera souvent un profanateur, puisque du coup on vient de jouer et ça tuera une bête en face. Et on va répartir 3 marqueurs entre une, deux ou trois créatures que vous contrôlez. Et ça fait plaisir. Donc Ouais. on aura un gros profanateur. Et ça, c'est vraiment la combo du deck. Ça marche aussi avec. Enfin, si on trouve des Etali qui trouvent des scies, machin. Mais la base, c'est ça. C'est invasion dans Familier de Ronce qui met le profanateur, qui casse l'invasion. Et vous Bam, avez bam, bam. compris le pourquoi l'entièreté des cartes d'early game sont des cartes avec un gros CCM qui ont une possibilité d'être jouées pour un coût moindre, parce que ces cartes-là, du coup, on ne les trouve pas sur l'invasion d'Alara pour être sûr et certain
d'avoir notre ami, le familier des ronces. Voilà l'idée du deck, c'est une idée qui est pour le coup assez brillante, qui est assez maligne. Le fait que Profanateur arrive, enlève directement les marqueurs de l'invasion d'Alara, la retourne et commence à faire des chocs à pic, ça donne un petit plan de jeu un peu combo. Le problème de ce deck-là, c'est de ne pas avoir de moyen de se dépatouiller des contresorts. Par contre, ça va écraser toutes les piles midrange non bleues, voire certains decks aggro si on trouve nos cartes clés, notamment la vertu de persistance. Donc, decklist intéressante qui en tout cas a fait une bonne performance. Je suis pas persuadé que ça continue à performer dès lors que le deck est connu. Mais en tout cas, ça a surpris au moins lors d'un tournoi. On est plutôt content de vous le présenter pour le beau jeu. Exact. En side, on a une emprise parasitaire qu'on va du coup Switcher avec le droit à switcher la avec le gorge. droit à la gorge pour avoir une gestion qui fait gagner des points de vie. Disparition de l'histoire qui, Switcher pareil. voilà, switcher pareil, qui va détruire les decks enchantement ou artefacts. Bon, il y a C'est plutôt des ça. decks enchantement en général en standard. Deux Elechnorn qui ne se trouvent pas sur Invasion d'Alara et qui détruisent les 5C classiques ou même le Mirror, tout simplement, Ouais. puisque les ETB, donc le Profanateur C'est est allié ça. à Même les Atraxa, decks mono se blanc, c'est pas si dégage. mal aussi. Mono blanc si ça marche bien. Un Trun qui ne se trouve pas sur Invasion d'Alara, qui est costaud contre des contrôles. Deux Koglaï d'Haro, pareil, ça répond bien à Arthos Enchantement. Et c'est une grosse bête qui peut attaquer avec le Pistolet de Sincérité ou en tuer une en Si t'as face. pas besoin d'interagir, tu peux rentrer une tige de haricots supplémentaire à la place de ton droit à la gorge pour générer de la value, un peu de résilience. Ce sera bien contre les decks contrôle. Et moi, j'ai rajouté la deuxième à la place du deuxième, Lucas Voilarine, parce que j'ai vu notamment JE jouer le deck et ça lui est arrivé de décider la combo. Et donc, dès lors que tu décides la combo et tu veux juste partir sur un gameplay un peu grindy, je trouvais ça intéressant de jouer une deuxième tige de haricots parce que la carte est puissante pour grinder. Ben, notamment, je l'ai joué contre un deck contrôle. Et en fait, c'est comme ça qu'on bat bleu. C'est Ouais. avec à l'assaut de la tige de haricot. Exactement. Parce qu'en fait, tout ce que tu casses, même s'il le contre, ça te refait piocher une carte. Tout à fait. Et vu que t'as que des ports, en fait, ben, toutes tes cartes vont te faire piocher une carte. Et au bout d'un moment, ben, il a plus de carte en main, lui. C'est Donc ça. à l'assaut de la tige de haricot, c'est vraiment très fort. Ouais. C'est joué dans des formats éternels en plus. C'est vraiment une C'est très bonne joué dans les carte. 5 C-Ramp, hein. Il y en a deux dans les 5 C-Ramp actuels. 5 C rampes de. Les classiques? Les classiques Ouais, 5 ouais. C-Ramp, ouais. Ouais, bah c'est très bonne carte. C'est ça. Crabe, bah c'est un contre qu'on peut jouer qui en plus ne se trouve pas sur Invasion d'Alara. Mais par contre, si on le met en jeu, c'est très chiant pour l'adversaire. C'est une 5-7 parade 3. Ouais. C'est beaucoup, ça coûte cher pour le gérer. Un avaleur de chair de plus contre aggro et une Atraxa de plus. Pareil, ça marche bien contre aggro. Contre midrange pour faire encore plus de value. Value. En vrai, c'est un slot qui pourrait être enlevé, pourrait être Ouais. remplacé par autre chose. Je pense que c'est pas un bon deck de standard et que typiquement au World, les gens se risqueront pas à jouer ça parce que le deck est trop facilement attaquable. Par contre, je dois noter le deck building est déjà très très fin. C'est-à-dire que la recherche d'équilibre, la mana base, le fait que tu aies quand même ton random droit à la gorge qui peut être switché contre un random à l'assaut de la tige de haricot, Ouais. que tu vas quand même trouver et pouvoir Ah, jouer c'est à la bien main et pensé, tout. hein. Je trouve que le deck est quand même très bien pensé, il faut au moins lui rendre ça, quoi. C'est Ouais. très très malin, le profanateur qui pète directement l'invasion pour ensuite générer toute la value, c'est très malin comme deck, quoi. Ouais, Donc fallait trouver toutes ces idées, toutes ces interactions, bien joué. let's go. Et on est parti. C'est une deck de petit malin. Ah, ça c'est clair. Classement, deux manches, tête carte cascade. Tête carte cascade, tête carte Je cascade, joue tête un carte. autre deck de petit malin pour casser le ladder là. Ça a marché. Dimir Midrange. Putain, je me régale, gros. C'était un deck de petit malin. Je me Maintenant, régale. c'est un deck de baroudeur. Ah, Ça fait un moment c'est qu'il. un deck de mec qui a plus envie de chercher là. Ah ouais. Juste. C'est vraiment. C'est un. J'ai l'image d'un type qui joue en Legacy, tu vois, et il se dit, tiens, je vais jouer en standard pour voir. Et il prend Dimir, tu vois. Et il tue, il contre, il met des bêtes, il est content, il est régalé, Ouais, quoi. c'est ça. C'est ça. On joue en premier. Ouf. On n'a pas Invasion d'Alara. On a une interaction. Des couleurs. On peut pas caster ça par contre, ni C'est une ça. grosse main de merde, mais tu peux pas mouligan toutes tes mains qui font pas invasion, quoi. Ouais, mais le truc, c'est qu'on caste pas ça ni ça parce qu'on n'a pas de verre. Donc, Ah ouais, donc ça, oui, ça c'est mort. on doit J'aurais mulligan. pas fait attention. Mieux. C'est mieux. En plus, on a valeur de chair. On va garder. On va enlever ça. Ok, en Et bas. go. Commence par ça. Par la pierre. Est-ce qu'il fait un truc lui? Non, pas du tout. Oh, Oh! je connais. Ah, le classique. Alors normalement on est armé contre lui, mais il faut qu'on trouve les pièces Il faut d'armement. trouver les armes. Tu peux le Bozei Jou, mais c'est risqué. Je lui donne un mana, mais c'est vrai qu'il a pas son marqueur, ni sa 2-2 plus tard, je crois que c'est pas mal. Je crois que je lui Bozei Jou la tête et derrière je fais la valeur. Ouais. Parce que là j'avais pas envie de faire Familier de Ronces du coup qui va mourir. Ouais. Là il faut vraiment tenir leur lit, parce qu'après ce qu'on va lui Ouais, mettre si dans les dents, il va pas kiffer. tu résous à Lara, il peut pas te battre. Ouais. Après ça dépend, ça des fois ça proute, hein, malheureusement, même sur cette carte. Mais. Ok. Genre des fois ça ne Ah te putain, trouve que les lines. c'est vrai que c'est même pas une combo automatique, Ouais. quoi. C'est C'est dommage. quand même rare, mais des fois ça trouve que Ouais. les lines et t'es un peu en mode bon bah. Dommage. Il ne se sert que de deux mana?
Oh, ça veut dire que le land qu'on lui a donné ne l'a pas aidé. N'a pas été. Oula, land pour la valeur. Ouais. Réfléchissez si on avait la tempo, parce que là, du coup, il met pas trop la pression, si on pouvait le délayer, mais... Bon, c'est trop gratuit en vrai. C'est lifelink et tout. Ouais, parce qu'en fait, à 3, il le gère Ah, facilement. mais dans ce cas-là, il passe son tour. Tu gagnes un peu de temps. Ouais. Oui, c'est vrai que s'il le gère, du coup, il a peut-être pas de quoi utiliser Ouais, ça ouais. à son petit mal. Enfin, s'il peut faire land de 2 et 2 et 3 points. S'il le gère pas, on est très De toute bien. façon, si on est en galère dans la partie, j'appelle mon double. Ah ouais? Deathmask? Deathmask. Mais j'attaque, On hein. va piocher, hein. Ouais. C'est fou, il a rien fait encore avec son Kumano. On connecte. Très bien. Je crois que tu veux juste pas jouer ça et juste piocher, quoi, Ouais. en jetant un de tes landes. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de jouer ça. Ça me donne du blanc et du bleu. Ouais, c'est ça. Ou ça me donne du blanc, du bleu et du noir. Pas du noir, ça. Du vert, pardon. Non, t'as déjà deux verts, donc il vaut mieux que tu mettes tour de raffine. Ok. Et que tu recycleras salle de recrutement de Ziatora. Ziatora, ouais. À noter qu'il faut quand même deux rouges. Donc non, je vais Pourquoi il faut deux recycler rouges? ça pour Italie. Ah oui, mais pour étaler à la main. Ouais, mais quand même. Ça m'est déjà arrivé d'avoir Italie à la main et pas le deuxième rouge. D'accord, ok. Donc il vaut mieux garder ça, parce que il faut pas deux blancs. C'est le seul double coloré qu'il faut, c'est deux rouges, je crois, ou deux Et noirs. les deux noirs aussi pour des secrétaux. Pour des secrétaires et Virtue. Et on a déjà trois noirs. Ok. Ah, deux blancs, c'est pour. Ah non, deux blancs, t'as pas besoin, c'est vrai. Ok. C'est une version plus combo de 5C rampes, mais un peu moins stable quand même. Genre, si vous voulez Ouais. jouer un truc un peu débile, 5C rampes, ça fait déjà largement le taf. Hein. 5C rampes Je avec vais tige de recycler haricot, c'est pas ça. mal. Hein. Il prend quand même de son mana. On a un peu de chance, hein. Oh. Dommage. T'as vraiment pas un foudre de guerre en face là. Hein. Non. C'est vrai. J'ai vu des versions qui jouaient plus mono rouge, qui... Enfin, mono rouge avec un peu de bleu ou mono rouge avec un peu de vert. C'était pas dégueu. Moi j'ai vu mono rouge avec un peu de blanc aussi. Avec Pia et. Ah bah on fait ce qu'on veut en fait. Non, C'est mais n'importe quoi sur l'adder. avec Pia et les bêtes aventures. On a gagné 6 points de vie Ce déjà, qui c'est était un fou. peu sympa. Je pense que tu recrutement, tu gardes emprisonnement, passe. Hein. Bah je peux faire recrutement, jouer ça avant emprisonnement. Tu veux jouer ton familier? Garde-le pour du late game, non? Il a quel intérêt il a pour 2 Il mana lui? bloque les 1-1. Ouais, bon, t'es à 18 En fait, je quoi. vais faire ça. J'aurai pas le temps. Là, une fois que je fais ça, j'ai gagné normalement. Ok, d'accord. Donc c'est Vas-y. pour ça que C'est je vrai que voulais t'as déjà joué le paquet, donc pas prendre de risque. je te laisse la primeur. Après, si je trouve ça coûte, j'ai pas gagné, mais. Oui, mais bon. Vu que ça Eh, fait. il y a un moment, t'es quand même à peu près Franchement, sûr de faire des dingues, quoi. on a gagné 6 points de vie avec. Ciao. On a gagné 6 points de vie avec la valeur Magnifique. de En fait, chair. déjà, ton avaleur, il est en train de porter la game tout seul. Ouais, si on passe encore un tour avec, c'est Gucci. Hein. Il peut Là, pas je vais faire enlever son land, je un pense. petit Raiju, là? Non, tu peux pas cibler les terrains, je crois. Non, terrain, bien joué. Tu peux pas, C'est ouais. vrai. Sale carte, ça. Joli, je crois qu'il a juste que des landes en main en fait. C'est probable. Désolé, Scarou, mais nous, on est très contents, on te pète la gueule. Et oui, c'est pour toutes les fois où on se fait rosser par mono rouge, on va Ah, pas c'est être pas moi qui parlais, c'est on te pète la gueule. des os, mais pas des os. C'est Il mon double n'attaque pas. maléfique. Il veut faire quoi? Une petite phase de bloc? Bah, il Faire bloque un mal, en tout truc? cas. Moi ouais, je vais lui exiler ça. Hein. Oui. Parce que là, mon prochain tour, c'est ça. Ah non, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je n'ai que du bleu et du blanc sur le même land. Ah, donc il fallait pas jeter le quartier général d'Ospara, du coup. C'est bon. Bah, en fait, c'était mieux pour Etali, et ça, c'était Putain. mieux pour ça, C'était... quoi. Ouais. Et vu qu'on avait aucune des deux à l'époque, mais il y avait plus de ça que d'Etali. Ouais. Bah, j'ai pas compté, cela dit, hein, donc je peux pas te dire, hey, je te l'avais dit. C'est juste histoire de diversifier nos landes dans le fait que je voulais garder quartier général Ouais. d'Ospara. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut deux pour avoir le bleu et le blanc, Ouais. mais d'habitude, c'est vrai que le rouge, tu peux en manquer. Donc, j'ai tendance à plutôt jeter ça et à le regretter après. Goodrick. Mais Goudric. pourquoi il gagne? Ah oui, il y a le double bouclier. Goudric. Allez, Oh, tue c'est bon seulement. aussi ça. Ça permet de faire des belles bêtes. De bien tuer le bord de l'oppo aussi. Alors là, on va trouver de quoi caster notre carte verte. Ah, c'est bon. J'allais dire merde, on a trouvé que des familiers, mais non, c'est normal. Et là maintenant, Descretor. Allez, la meule. Bon, Oh! il y a un peu de gaz. On a trouvé ça, c'est nickel. Ouais. Alors c'est pas le top, mais contre lui, bah, Non, mais ouais, mais du coup, il y a des c'est matchs où tu pliable. fais ça, tu fais pas Descretor et bif bof, quoi. Ouais, après t'as mis ça en jeu. Là on l'a mis tard, mais normalement tu fais tour Ouais, 5, t'as ça en ok. main. Ok. Là j'attaque encore. Oui, t'as ça en main qui, sur l'ordre d'étape, te permet de recommencer, quoi. Là il va animer, bloquer. Je vais gagner mes 3 PF quand même, j'ai tué 2 bêtes. Et comment il peut avoir encore l'espoir de gagner cette game, là? Bah Godric ça vole ça aussi, mais bon il a une Bah, 7-5 il a quoi. 7-5 lifelink, quoi, maintenant, c'est finito, Ouais. en fait.
Il peut la gérer avec une. Dans Warcraft, il passe à 4. Ouais. Il passe à 4. Nous, on est à 1 land de refaire ça. Non, il y croit à fond. Il y croit à mort. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. En plus, tu top deck, quoi. En plus, je suis bon. C'est moche, hein. Putain. Ah, il y a beaucoup de land. Hein. On avait quasi une chance sur deux. C'est bon, tu les as trouvés. Alors, montre-nous ce que ça fait. Alors, du coup, ça fait ça. Ne concède pas, du coup, Scarou. T'es resté jusqu'au bout. Ah, putain. Non, mais please. Pas ouf. Pas ouf. Faire, fallait concéder avant. Mono rouge, on veut ça. On veut ça. On veut pas ça. Tu veux pas Lucas non plus. Éclaté, Lucas. Attends, j'ai rentré deux cartes. T'as rentré deux cartes. Deux cartes, j'en ai enlevé une. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est quand même un drop 4 qui fait des 3-3. Donc, ça bloque. Ah, tu peux le laisser alors en tant que carte d'early game et juste sortir une Atraxa ou un Etali. Quoi. Etali, voilà, c'est moins bien. Ça, c'est la chute. Je vais remettre Lucas, fort. Du coup. Ouais. Je veux bien la deuxième Atraxa. Ah, dans ce cas, enlève tous les Etali. Contre, ouais, contre l'autre Etali. En fait, garde tes early game dans ce cas-là. Voilà. Mais voilà. Ça, en fait, c'est nul, Etali, ça va trouver de la merde dans son deck. Donc... Bah, oui, c'est juste parce que ça nous trouve un truc fort à nous, quoi. Non, mais t'es bien, là. Et emprisonnement, c'est pas méga fort, mais je crois que j'ai pas mieux. Bon, c'est une interaction. Ouais, ouais. Faut être obligé de garder tout ce qui interagit contre lui. Oui, oui, c'est pas dégueu, mais si j'avais genre une 3-3 lifelink, j'aurais mis une 3-3 lifelink. Ah, ouais. Ah, je sais pas, j'aime bien, c'est un anti-bête pour un dans ton deck, quand même. Hein. Mmh. Ouais, souvent pour deux, des fois pour un. Oh, bah tiens, belle. Ciao. C'est bah, mythique, après garder, on a ça, valeur, on a ça. Valeur, ouais. Mais c'est nul, hein. Wacon. Ciao. Il commence, donc on a le temps. E-commerce. On a le temps de trouver des trucs. Et attention, peut-être que tu landeras pas ça. Tu pourras peut-être lander un land blanc si jamais tu trouves. Nickel. On a des grandes chances de piocher de land, donc ça devrait le faire. On a deux tours pour en piocher au moins un. Ouais. Si on pouvait piocher un quartier général de Spara, c'est super. Ouais, ça fait un land bleu-blanc. Land blanc. En fait. Gucci. Ah, vertu, hein. Eh ben non. Pas vertu, hein. Eh ben non, non. Par contre, si on trouve juste pas nos landes, ça c'est comme tout deck de Magic, hein, ça perd la game. Hein. Après, on lui a pété la gueule. On lui a pété la gueule. Ouais, j'ai pas trop eu de mal sur mon mana sur mes mains de départ. Ok, on trouve land, c'est très bien. Allez, pète le squee. Je lui pète le squee. Surtout pas hésiter à péter le squee des adversaires. Hein. On prend encore moins 4 là. Là, c'est dur. Si tu trouves land d'étape, tu peux avoir valeur dans l'emprisonnement, t'es doux. Noir, no... ouais, land d'étape, n'importe lequel, je peux le faire. C'est ça. Je peux le faire. Ouais, t'as noir, noir, blanc là. Ok. Ça fait beaucoup de points, mais pas de board. Après, s'il a de la riche ici, c'est chiant. Putain, t'es bon. Lande d'étape, je peux le faire. Tu peux le faire. Je vais faire ça. Tu veux pas d'un qu'il active Squee par exemple? Genre, ah non, mais il pourra jamais l'activer Squee. Ok. Ah, mais je vais payer la main de toute façon. C'est pour avoir l'effet de surprise peut-être, mais tant pis. Ça. En vrai, tu passes une fois, je pense. Ouais. S'il le gère pas. S'il le gère pas, ça va. Putain, si t'avais un Bozeijou et qu'il voulait le gérer, je pense que t'aurais pu cibler ton avaleur pour le libérer, tu sais. Non, Bozeijou, je peux pas casser mes trucs. Tu peux pas casser tes propres trucs. Non. Ah et bah, ça, je peux pas cibler mes trucs. Ah ouais, du coup, jamais on fait ça. Tu pouvais rien faire en fait. T'aurais pu jamais. Putain, chier quoi. On enlève. Gravure, je crois. Ouais, gravure, ouais. On quand même 5. Ouais, c'est exilé. Hein. T'as défoncé. Ah merde, j'aurais dû le. Bon, exiler en réponse. Pas grand chose. Ah, si, j'avais dans mon cimetière pour exiler, c'était mieux. Ok. Fais un petit misplay. Je pensais juste à la phase d'attaque, je pensais qu'à mes points de vie. J'avais plus du tout d'autres trucs en tête. Eh ben, échec et mat. Allez, à la prochaine. Ouais, il a activé l'attaque, on est mort. Ouais. C'est ça. Bien joué. On va pas lui laisser le plaisir de le faire. On va partir la tête haute et dignement. C'était le petit land tap tour 2, ça a pas fait plaisir. Non. Go. Ah, toi, tu joues un deck quand même qui. Ah, bah, 5C, hein, c'est le prix. Hein. Eh ouais, c'est le prix à payer, quoi. Mm. J'ai joué 5C en Synider récemment. T'as un tome de plus que moi, là. Et le tome 15, déjà. Le tome 15, ah ouais. Mais gros, mais ça sort toutes les semaines, ou quoi? Montre-moi donc la couverture, là. Alors, là, c'est le tome 14. Déjà, tome 13, tome 14, les deux couvertures qui se répondent. En incroyable. Gros. Trop, trop beau. Ouais. Et tome 15, tu vas être un peu déçu. Ah, ça va, moi, j'aime bien Gaara, donc... Oui, mais c'est... Enfin, quand tu viens de ça... Ah, bah, bien sûr. Et surtout quand tu viens de celle du tome 13, aussi. Oui, en plus.
En premier. Oh. Tiens, ça t'aime bien? Je sais pas ce que c'est, mais Moi j'aime c'est bien. joli en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est bien ça. Oui, on a anti-bet, ça, anti-bet, c'est super. Et Je vais l'île en faire la fine mulligan. bouche alors que c'est la meilleure main qu'on pouvait avoir contre lui. Non, Bah, pas ça. juste pas une plaine. Si t'avais genre un marais, c'était la meilleure Ouais, bah plein c'est bien si t'as pas ça. main. Ouais. Mais on a ça. Du coup, tu pourras pas interagir autour d'eux. Ouais, mais là, je vais faire ça autour d'eux. Oui. Oh oui, du coup, mais. Ah, quoique. Non, si, je pense quand même. Bon, je suis pas pressé, il a pas fait de points. Ouais, mais ça te Mais ça permet me d'aller débloque chercher ça. un land, quoi. Oui, mais là j'ai encore 2 landes d'avance. Mais ça te le débloque quand même dans tous les cas, parce que tu fais marécage le tour d'après. Bah là je peux jouer ça et j'ai ça up. T'as ça up direct? Ouais. Ok, vas-y, vas-y. Oui, si ça te libère emprisonnement, c'est bien. Genre, t'attrapes un Felden, Ouais. t'es banco, quoi. Puis s'il joue rien, bon bah. Oh Si, putain, si je joue il est rien, t'auras chocolat. préféré l'autre truc, du coup. Mais Il oui, est par contre, chocolat. à quel moment tu gardes ta main qui fait rien tour 1 et tour 2 en mono raid? Oh, Scarou! On se réveille ou quoi? Oscarou.com. Je vais Oscarou.com. lander ça. Je réfléchis, t'es en train de le bourrer, là, on s'en bat les couilles. Oui, non, mais j'essaye quand même, je sais pas. Du coup, rouge. On est là pour la Match bourre, là! de noir et T'as tout. déjà. Non, t'as plus d'Étali, t'as pas besoin de double rouge. J'ai plus d'Italie, c'est vrai. Et j'ai déjà rouge là, ouais. Bon, c'est pas grave. Mais je crois que là, avec 3 Trilands Normalement, tu fais ce que tu et veux. un biland, je suis bon quoi. J'ai 2 noirs. Putain, elle a gardé que pour squeeze sa main. Ben ouais, mais bon. Zou. Comment tu peux Oui, être squeeze. mono raid et ne rien faire tour 1 et tour 2? Genre, tu te doutes qu'il va y avoir un problème à terme. Oui. Ben pas lui. Lui, s'est pas douté. Lui s'en fout. Il s'est dit, je m'en bats les couilles. Durant de toute façon, il tourne une vidéo. Je les régale, Oh, c'est oh pour bien, moi. je m'en bats les couilles. Oh, je m'en fous, je les régale les deux là. Oh. Ouais. Recycle, hein, si jamais j'en ai une, je le fais avant qu'il fasse un bordel. Ah, oh, Ah! Bon, parfait. bah voilà. Propre, très propre, très. Ça va pas nous Oh, ça emmerder, on va marche bien pouvoir s'en ça barrer. avec Godric. Ouais. Je viens de capter. Ouais, quoi. Vas-y, land noir, Bozé joue, passe. Bozdaï joue? Bon, je fais maintenant. Oui. Bah oui, comme ça, tu donnes pas le toquant. Bah, c'est au début du combat, donc je pouvais le faire au début du Ah, si combat, on mais a j'avais pillé, peur que les pourquoi? Trigger Arena fassent du cax. Ouais. Prends pas Oh, de je peux lui risque. donner un land de plus là. Oui, Oui, ce ça qu'il va. faut. Ça va, ça va. Après, il a peut-être du late game un petit peu. Il joue Chandra à 6, hein, du fait qu'il a rien fait. Hein. On Imagine. serait deg? Non, on s'en fout. Je serais quand On même serait pas pas très content. heureux, Bah, quoi. avec ça va, je vais chercher ça. Et je fais pchou Gang. s'il a rien pour le trigger, on est content. On est très content. Mais attends, mais putain, mais il a quoi dans la main? Qu'est-ce que tu as, Bah, je Scarou? crois qu'il a gardé une main un peu lourde et il a pioché que des landes encore. Mais il a gardé une main qu'avec des drop 3? Bah, peut-être. Hein. C'est quelqu'un qui mulligan pas. Ouais, mais à quelle heure ça peut battre ce qu'on fait d'avoir que des drop 3? Moi, ça me va. Bien sûr, mais moi je cherche de l'explication, moi. J'ai besoin de trouver de la cohérence dans l'absurde, tu vois. Bon, bah tu. Seulement, quoi. Plus seulement. Mais c'est tout, hein, je veux pas jouer ça. Je suis à 19. Bon, aussi, tu joues ça parce que derrière ça attraque ça, Ah whatever. ouais? N'importe ce que tu pioches, tu vas jouer avec ça, donc. T'es sûr, Val? Ouais, certain. T'es sûr, C'est Val? juste ça, de toute façon, ça le tient en respect tout seul, donc. Oui, mais j'aime bien être porc, moi. Ah Faut bah jouer un deck oui! pour être porc, hein. Ah, Il faut tu. se mettre dans la peau du personnage. Tu C'est-à-dire, vois? quand tu joues ça, c'est forcément parce que. Non, on va pas dire ça, c'est pas vrai. Forcément que tu veux jouer un truc bien gras. D'accord, ça fait pas de toi un porc. Magiquement parlant, un peu. Quand même, ok, Magiquement parlant, ici, d'accord. ouais. Ok, non, mais les mots sont durs, les Mais mots sont dits. c'est pas pareil. Vous êtes catalogué en fonction du deck que vous jouez. Hein. Mais l'adversaire s'est forcé qu'à un moment il va dire putain, c'est porc ce que tu fais, quoi. Et toi, Parce tu lui qu'il est réponds, poli. ah ouais. Et voilà, t'es obligé par contre de rire en faisant Oh. quand tu joues ce deck. Mais c'est normal. Ok. Normal. Oui, Mais tu te attention, transformes un peu en vous porc, n'êtes quoi. pas cette personne. Le deck fait de Ah, vous vous cette personne. role-playez cette Voilà. personne, bien sûr, Vous d'accord. devenez. Ok. Salut! Oh. Et là, tu lui montres bien les 10 cartes là que tu Attends, pioches. attends, qu'on J'essaie cède de pas! tuer, tu peux. Voilà. C'est Mais c'est trop. obligé. C'est C'est trop. obligé. Donc là, on a pris le meilleur match-up, mono raid. Je sais pas si c'est le meilleur, mais ça fait partie des meilleurs. Un match-up, ok. Il y a En beaucoup de gains vrai, de points de vie. on a pris mono raid qui mulligan pas une main qu'avec des drops 3. Ça, c'est le meilleur match-up. Puni. Eh oui. Et là, on va vous montrer ce que ça fait contre un deck bleu. On dit Myrmidrange, là. Voilà. Mais là, tu vois, il y a eu la masterclass, la Oui, classe c'est de vrai. maître. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, il y a. Et du coup, quand tu te fais contrer et que tu es le porc qui joue le deck, tu fais quoi en mode « Oh putain, on compte mes cartes
Babouliné. Tu te ressens automatiquement en babouliné. Babouliné contré. Tu dis ça. Non, je pense que tu dis, ouais, je m'en fous, il y en a d'autres. C'était que le premier d'une longue liste. Tu vois. Je vois mon premier. Oh, super. Oh, c'est génial. Du vert. J'adore. Des couleurs. J'adore parce qu'en fait, le vrai plan de ton deck, c'est interagir et attaquer ça à cette balle. Bah. C'est le vrai plan, quoi. L'autre, c'est un faux plan, tu vois. Oh, le faux plan. Oh, t'as pas ce sleeve, toi. Non, je l'ai pas. Il est joli. Je l'ai, moi. J'aime bien, il est marrant. Je suis content. Kangaitang. Ouais, je vais y mettre ça, lui. Hein. Bah oui, vas-y, mets-y ça. J'ai pas besoin de faire ça de suite. Alors, pour l'instant, il joue pas les couleurs du contre. Non. Elles arrivent. Elles arrivent pas. Attention, parce qu'on peut vous montrer aussi l'entre-deux. C'est-à-dire, c'est pas aggro, c'est pas contrôle, c'est aplati. Ouais, ouais. J'ai envie de recycler ça, je crois. Ou j'ai besoin. Non, je crois pas, je crois que je garderai, moi. Je garderai et je migrerai. Comme ça, okay. J'avance vers Atraxa, ça écrase tout le monde, Atraxa. Ouais. Enfin, en tout cas, ce qu'il fait, ça l'écrase. Ah, je sais ce qu'il fait. Je sais ce qu'il fait et ça m'amuse un peu. Sur là, c'est deux porcs qui se rencontrent. Toi aussi, tu. Ah, mais moi, je fais comme ça. Ah, mais moi, je fais comme ci. Tu vois, c'est comme ça. Exactement. C'est la rencontre. C'est vraiment la rencontre de deux porcs, putain. J'adore. Ça me régale. Et bah, t'as tes deux rouges, donc t'as pas besoin. Et tu peux prendre ton. Dans ton bleu, tu j'ai l'as. J'ai deux verts. Tu prends ce que tu veux, c'est cadeau. Blanc. J'ai déjà deux bleus. Oh, je prends un blanc. Ouais, du coup, je prends un blanc. Ça permet de pas engager, en fait, de faire ça sans engager un Triland. Je vais lander ça. Tu peux familier ça, t'avances d'un tour. Ouais. Après que ça. Je peux toujours emprisonner. Ah non, j'aurais dû prendre une île, ça réduisait ça de 1. Ah, bon. Bien vu. On a même pas réfléchi bon, à ça. Bon, je sais pas si c'est. En vrai, j'ai pas de mana là. Ah, quand. J'ai compris. J'ai compris en fait. Par contre, pourquoi il joue invasion de Tarkir pour avoir des game objects à sacrifier même moi, je comprends pas l'effet. Hein. Je comprends pas, je suis pas la bête. Mais non, tu peux pas sacrifier ça, c'est ni un artefact, ni un enchantement, ni un jeton. C'est une saga. Enfin, c'est une bataille, quoi. Oui. Bah, du coup, pourquoi il joue ça? Je ne sais pas. Bah, ça, je vais l'encycler. Ouais, ça, tu vas l'encycler. Et encore que. L'encycler maintenant. Et encore que. Bah, si. Bah, dans deux tours, tu attrapes ça, quoi. Ouais, mais j'ai le temps. J'ai déjà un land. J'ai quasi une chance sur deux d'en piocher. Putain, si on reste bloqué à 6 mana, on se rappelle de cette phrase? Mec, on l'a remis avec un effet montage noir et blanc. Que je land, là, de toute façon. Voilà. Ça va, il est bon. C'est Land qui fait gagner 3 PV. Non, mais t'inquiète pas, j'ai le temps. Non, mais t'inquiète pas, j'ai le temps. Non, mais t'inquiète pas, j'ai le temps. Avec un effet de montage de bon goût. Hop. 2 years later, 6 mana. Là, je vais prendre mon île, du coup. On a compris. Putain, on est bon, hein. Est-ce que je me suis bien fait compris? Oh, putain. En même temps, t'as le luxe que l'oppo ne fasse rien, c'est ça qui est excellent. Ah, mais j'en profite. Non, mais attends. Je vais pas non plus m'excuser. Non, non, bah t'excuses pas. Il n'y en a qu'un. Bon, ça me suffit, hein, mais. Ah, parce que l'autre, ils me l'ont pas montré. Ah oui, parce que quand tu peux pas le caster, il te montre pas. Ah oui, d'accord, ok. C'est vrai que j'avais eu le truc déjà et j'avais. Oh, putain. Ah, bah c'est super, on va pouvoir savoir ce qu'il fait de bien porc. Ouais. Ah, carte du dessus. Nairis Warcraft. Ah, on va Nairis notre. Ouais. Donc on fait ça. On va piquer ça. Et ça. Et puis ça va permettre de. Ça là-dessus. Et à la fin, on aura peut-être. Ah, ça dépend s'il a les. Là, on pourra pas. Non. Allez, j'emprisonne. Mais vous avez compris chez vous que. J'enlève ça, non? Oui. Ça, bon. Oui, ça, on s'en fout un peu, je pense. On s'en fout un peu. Mais du coup, il est plus porc que porc parce que. Je comprends son plan de jeu initial, mais il a aussi un plan de jeu de retourner ses invasions avec ses Nairis Warcraft, ce qui est marrant. Sur une échelle de Fion à Extraordinaire, tu la notes comment, mon invasion d'Alara, là? Extraordinaire Fion, 10 sur 20. Je mettrai juste Fion, moi. J'ai fait une 7-7 qui l'a tué, je lui ai enlevé un enchantement. Ouais, mais face. J'ai enlevé deux marqueurs. Gros, Fion, c'est vraiment du prout, quoi. Par contre, en fait, je ne comprends plus ce que fait l'adversaire. Laisse faire. Ok. Laisse-toi porter. Là, tu résistes contre le courant, c'est pas bon. Non, c'est quand même toi le roi des ports. Même si t'as rencontré un congénère. Ouais, tu t'es rappelé, t'as dit, ah non, c'est bien, très bien. C'est sûr. C'est sûr, là, c'est too much. Bon, mais tu affrontes Dimir Midrange quand tu joues ce jeu, des fois, ou pas? Ah, très peu. Ah, d'accord. Ah, très peu. Ah, vraiment, moi, jamais. Bon, enlève ton quartier général, là, il arrive engagé, c'est chiant. Oui, c'est vrai. Je cherchais le land que j'allais virer. Bah, ça va, elle est bien ta main. Salut, joueur visiblement japonais. Ouais. En tout cas, avec un pseudo japonais. Ouais, je garde. Attends.
Il n'y a rien qui mène contre lui. En fait, on sait pas ce qu'il fait. Il fait quoi? Ça, il gère pas. Ouais, à la place de Lucas, ce sera mieux. T'as rentré quoi d'autre? Il y a un truc, ça. Ah. Tu vois, pour ça. On enlève un détalier, alors. Bon, j'enlève ça, non, c'est moins bien contre lui. Ça oui. Tue pas grand-chose. Bon, c'est vrai. Bon, pourquoi tu t'emmerdes, de toute façon? Ouais, je mets mes crabes. Pour contrer quoi? C'est pas ce qu'il joue? Mais on sait jamais, justement. Tu veux mettre tes crabes? Ouais. Mais à la place de quoi? De mes vertus, c'est nul. Ok. Et tu mets tes goyles aussi ou pas? Bien ça. Tu sais, j'ai compris la blague et je me suis dit, attends, c'est bien une blague? Et après, j'ai réagi, tu vois. Allez, termine donc. Mec, on a terminé le titre. Ouais, ça aussi, c'est moins bien que crabe. Ah, toi, t'es full crabe. Oh, j'ai mis le crabe, moi. Ok, ok. Oh, j'ai mis les crabes. Non. Ça marche pas. Non, je pense que c'est bien d'interagir contre Lucas. Ah, parce que si tu veux que je refasse le rire de la personne qui joue ce deck, je peux le refaire. Tu mets ça, et tu fais... Oh, oh, oh. Je me suis dit que c'était bien de pêcher une carte en plus. Ou alors t'en mets un de plus et du coup t'as une possibilité de double fruit où tu fais Beanstalk et droit à la gorge. Et t'es en mode... Ah mais non, pas forcément. Oh, génial. Pourquoi Kiora, elle est... Attends, mais je rêve, pourquoi elle est en maître nageuse? Parce que... C'est quoi ces avatars, là? C'est Kiora de la mer. Oui, d'accord, Donc... mais pourquoi est-ce qu'elle a décidé de passer son BAFA et donner des cours de nage? Enfin... C'est même pas le BAFA, c'est le BNSA, je crois. Bah c'est comme elle est déesse de la mer, donc elle peut faire ça. Mais pourquoi elle se ferait chier en tant que déesse Non, de la mer à aller donner des cours de c'est le nage? thème des trucs... Oh, je garde, je m'en fous. Ouais, vas-y. C'est le thème des trucs de cet été, là. Genre pool party, machin, Ah, ok. Avec Je trouve des ça trop skins et drôle. tout. Je faisais exprès de faire genre... Ouais. Et Bah, c'est logique. T'as Jace qui est en mode tenue de professeur avec une règle à la main ou pas? Je sais pas. Mais je sais que ça se fait sur plusieurs jeux, genre Marvel Snap aussi. Ils ont D'accord, genre ok. des persos, des héros en mode à la piscine et tout, tu vois. Gros, lui, Bon, il il a un faut que je fasse plan. ça. Mec, il a Ouais, un j'ai pas vu, plan. il avait joué un truc Il est encore. d'une Oh, il y a la sombreté. Il saucisse. est d'une sombreté, son plan. T'es pas prêt, je pense. Là, c'est la merguez classique. Là, c'est la merguez que tu manges toi, t'as vu? Tu sais Bien que. cramé. Bien, Gramax. Tu sais que vraiment, Atsushi, quand tu recliques dessus, je sais pas si tu vois au niveau de son ventre, il est strié comme sur Oh ouais, une grille de comme un barbecue. magret. Comme un Tu vois? magret. Il est strié, le truc. Ça n'a aucun sens. Il me fait quoi, lui? Lui, il a repris Arena, là. Qu'est-ce qu'il met? Il n'avait pas joué depuis 8 mois, je crois. Ah, j'y mets ça? Il vient de reprendre. Attends, il Ouais. peut me faire une dinguerie, là, Non. avec l'autre? Mais non. Pas tout de suite, quoi. Pas de suite, faut qu'il attaque avec les deux. Oui. Genre, ça T'es n'arrivera jamais. sûr? Certain. Attends. Merde, on En voit fait, pas. il fallait qu'il puisse donner célérité aux deux avec son enchantement, mais il l'a pas. Mais du coup, je comprends de plus en plus son plan. Ok. C'est drop 2, drop 3, drop 4. C'est une combo en 3. Tu comprends? Je comprends. C'est une combo en 3 tours curvés. Tu vois le plan ou pas? Bon, je t'en prends pas du reste. Toshita. Le cabas. Oh, le cabot bloqué. C'est que je viens de comprendre son plan, il est d'une fatigue. Putain, j'aurais envie de dormir, moi. Non, prends, on s'en Ah fout. oui, c'est 4 points. Hein. 4 points pris. 4 pris points. J'exilerai ça, je contrerai. Je gagnerai la game. Ouais. Tranquille. Tranquille. Ici. Faut trouver des landes par contre. Ouais, mais t'as un peu de temps devant toi. Sachant que ton oppo ne fait rien. Ah, c'est pile 3 mana, tu vois. Ouais, Marrant. je pouvais pas contrer. En plus j'ai cliqué vide, donc non, j'aurais pas contré, t'as vu. C'est drôle, ça. Trop des landes. Pas de galère. Pas Fin de stealth. tour. Ouais. T'as un land de Italie, Si tu restes. et puis voilà. Hein. Nickel. Oh, ça fait chier là sur cette game. Ouais, bah l'oppo il est. Je bloque. Je la perds. Bon, c'est pas grave. Il y a plusieurs ligues, il y a la Ligue 1, la Ligue 2, puis il y a la Nationale. Bah, lui il est en pré-honneur. C'est les enfants qui ont 12 ans. Honneur, c'est le vrai nom? Ouais, honneur, pré-honneur. Moi quand j'étais petit ça s'appelait comme ça. Ok. Moi je peux contrer la capa. On va pas le faire. Ça. Je peux? Tu peux, c'est vrai. Je peux pas le faire. Je peux. Mais tu peux. Ça leur a coûté 3, ils faisaient rien. On perdait quand même notre bête. On a plus de crabe. Tu pouvais double Bilan. contrer? Ah non, tu pouvais pas. Bilan mauvais. Mauvais bilan, ouais. Bah non. Mais à quoi tu t'attends, gros? Sans déconner. C'est non. Pas touché ça. Oh, j'adore que tu l'aies crabé comme ça.
Vas-y. Hein. Profane, profane. Ouais. Je lui enlève quoi? Son cabot. Et je lui tue son cabot. Ouais. C'est pas exceptionnel, mais ça, ça fait le taf, quoi. Ouais. En fait, je vais juste tuer celui-là. Ouais, ouais. Maintenant, t'as plus qu'à trouver un mana et on commence à se retransformer en porc. Oui. Pour faire notre crabe. Non. T'as dit. On peut. Franchement, t'as le choix entre un crabe géant et un dinosaure géant. Ouais, mais je sais pas comment il s'appelle celui-là, le dinosaure. J'ai une petite culture dinosaure, mais lui, j'ai oublié. Un spinosaure. C'est un spinosaure, celui-là? Je dirais, ouais. Ok. C'est quoi? On va vérifier. Attends, on va quand même jouer par respect pour notre adversaire. On a deux manas rouges, donc on va prendre... Je crois que ça me parle, spinosaure, avec le côté, justement, sur toute l'ossature spinale, entre guillemets, il a ces espèces de pics comme ça. Mmh. C'est une espèce de T-Rex avec la crête, quoi. Je crois que c'est un spinosaure, t'as raison. Spinosaure. C'est tout à fait ça. C'est ça, c'est exactement spinosaure. C'est exactement spinosaure, bien joué. Toi, t'es une petite culture jurassique, toi, aussi. Ah, moi, j'étais assez fan de dino. Moi, c'est les requins, moi. Ouais. Ouais. Mais j'ai oublié, tu vois, mais les requins. Ah ouais? Ouais. Parce que j'avais aussi le fameux livre avec tous les requins dedans. Oui, exceptionnel. Excellent, sur le... ouais. Très bel ouvrage, hein, je recommande. Le requin renard. Mais du coup, j'ai oublié depuis. Oula, attention, ça c'est pas très bon. Ça c'est vraiment, tu piques du gras aux gens. On nous prend du bon gras là. Bon bah, oui, oui. Hein. Ouais, ouais. Ça nous fait quand même pas gagner la game, hein, cette histoire. Je lui enlève une carte, ah, c'est sûr. Hop. Ah, ça fait pas gagner, enfin, mais il y a un bon crabe. Selon ce qui t'a piqué, c'est casse bonbon quand même. Alors cela dit, ça risque d'être trop coloré pour lui. Oui. À part Italie. Et non, Italie la casse pas, donc. Ah, un land. Il t'a piqué un land, ça me va. Là, du coup, vu qu'il joue ça, s'il y a une game prof, faut enlever les bonnes cartes, comme ça il peut pas les prendre. Oui. Est-ce que de la merde. Il faut absolument. Est-ce que Invasion d'Alara, il peut pas la caster? Il va avoir du mal en tout cas. Ouais, un petit draw. Masterclass, hein. Putain, oh, merci, coup, je voulais passer à la prochaine vidéo. Il y a personne qui joue le deck bleu sur le ladder en ce moment. Non, non, mais du coup, allez-y. Donc, allez-y à fond. Autoroute, là, sur le ladder, si vous voulez passer mythique. Regardez avec le deck cascade. Et si devant vous, vous voyez qu'il n'y a rien, allez-y. Tant que c'est pas bleu, là, ne changez pas de deck. Vous bourrez, il n'y a pas de galère. Franchement, le deck est insane. Ça m'étonne pas qu'il ait gagné un challenge. D'ailleurs, quand il aura gagné les Worlds, en Mirror... Il a gagné un challenge, il n'y a que des Golgari à la place d'avoir des Dimir, attention. Eh ben, on se dira, franchement, c'était fort. Imagine... Tous les joueurs qualifiés au World, ils ont envie pour le spectacle de mettre en place un gentleman agreement. Mmh. Et tout le monde joue ça. Et non, non, et ils bannissent le bleu. Ils disent non, le bleu c'est chiant. Vous faites ce que vous voulez dans le format, ouais. Et juste pas de bleu. Bon, du coup, on peut pas jouer ce deck là. Merde. Mais on joue le même sans ça. Si mais tu peux, hein. Mais on gueulerie. Hein. Tu enlèves ça, tu mets un peu de rampe et tu castes ça dans tes ports. Hein. Et du coup, ça c'est moins bien. Bon, bref. Ouais. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpel, Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne, si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.